L'âge est la jeunesse qui s'éclaire du vécu de la vieillesse. C'est notre pensée hebdomadaire. Elle est de Mazouz Hassen. Bonjour à tous et à toutes. C'est parti pour Connexion 360, notre destination hebdomadaire tous les samedis à partir de 11h15 heure de l'Est, à partir de Toronto, 17h15 GMT et à Kigali. Connexion 360, cette plateforme qui nous permet de connecter avec des personnes qui façonnent leur environnement à travers des conversations significatives, des conversations engageantes et nous l'espérons divertissantes. Nous émettons à partir de la chaîne GoLive TV, donc sur Internet, oui, et à travers le monde, et également en streaming sur Facebook et en live. Donc, je suis votre hôte et je m'appelle Elikia Ndoumbé. Bonjour. La semaine dernière, nous parlons de quelle culture pour les enfants issus de l'immigration. Ben, aujourd'hui, nous allons en rencontrer un. Nous allons rencontrer ce jeune issu de l'immigration et il va nous parler un petit peu de la façon dont il se projette dans son environnement. Nous recevons un jeune Canadien de première génération dont les parents ont immigré il y a une trentaine d'années. Il est basketteur professionnel, il a fait ses classes à Ryerson où il était étudiant. Il a fait ses classes également auprès des Patriots au Rwanda, les Honey Badgers de Hamilton, les Raptors 905 de Toronto, Harris Leeuwarden en Hollande. Tout ça, c'est bien sûr dans le désordre et il va remettre de l'ordre dans cette chronologie. Il n'est pas seulement féru de basket, il est diplômé de Ryerson University. Il a fait ses études en Child and Youth Care avec une mineure en psychologie. Mon invité du jour s'appelle Jean-Victor J.V. Mukama. Du haut de ses 2,03 m, il va nous dire comment les jeunes comme lui se projettent. Et je vais lui demander de se mettre debout pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle quand je parle de basket. J'ai des talons. Voilà. Juste un peu, juste un peu. Merci, bien, merci beaucoup. Place. Merci. Alors, je ne vais pas te demander ce que cette pensée hebdomadaire t'inspire. Je vais te demander de choisir entre les deux, okay, à laquelle tu t'identifies. Sage est la jeunesse qui s'éclaire du vécu de la vieillesse, mm-hmm, ou alors tout ce qui se fait pour la jeunesse sans la jeunesse est contre la jeunesse. Laquelle te parle le plus? Je vais dire tout ce qui se fait sans la jeunesse. Non, pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vous devez absolument être présent à toutes les sauces, quoi. Donnez votre avis. Je crois que pas toutes les décisions, mais après un moment, quand j'ai grandi, il y a beaucoup de décisions que tu comprends pourquoi ta mère ou ton père ont dit quelque chose. Mais il y a des fois que, même à cet âge, il y a beaucoup de choses, je vais admettre que... je me rappelle que ma mère a dit, quand tu vas grandir, tu vas comprendre pourquoi je n'ai pas envie d'aller au McDo chaque jour. Maintenant que je paye pour tout moi-même, là, je suis comme, c'est vrai, j'ai la nourriture dans le frigo. Mais il y a des choses, c'est vrai que s'il y avait plus de communication entre les parents et la génération qui suit, je crois que les choses seraient un peu plus faciles, il y aurait moins de friction. D'accord. À dire, ouais. Donc, tout ce qui est important, c'est vraiment de rester en dialogue, ouais, dialogue. Avec, sur toutes les sphères, que ce soit, ouais, avec les parents, que ce soit avec la société, mm-hmm, que ce soit dans le domaine politique, vous devez être entendu. Oui, exactement, exactement. Ou bien vous devez être consulté pour mieux comprendre, oui, et, oui, et collaborer dans les prises de décision. Exactement. Parfait. Surtout avec cette génération, on voit beaucoup de friction entre les parents et les jeunes et... Normalement, c'est juste à cause, comme tu dis, un simple dialogue. D'accord. Ouais. Alors, Jean-Vic, on, ouais, va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi dans, okay, 2 minutes. On va d'abord regarder une petite vidéo, une courte vidéo. Okay. You can play the video, please. So, on se retrouve tout à l'heure. Thing. Madame? But the thing is, this is what kept me out of trouble. Because I was never a troublemaker. This at lunch, and I would be like... Every year is being an impact player, not just. Why not? What coach? Family of three. Are we not doing that? 1, 2, 3, family! Yeah, bro! You're not ready? When you go and you're a part of different teams, different organizations, and different countries, different leagues,
I think you just grow because I think it puts you in different environments and situations that you can't predict. Again, it just builds your confidence as a player. And I think, again, doing that, going over the Netherlands, coming back here, you know, the more experiences you have on a positive. Donc, on vient de te voir sur ces images. Ouais. Tu vas nous raconter un petit peu, assez rapidement, ton parcours en basketball. D'où vient ce rêve de basket? Comment ça commence chez un jeune? Je crois que moi, mon rêve a commencé à Gatineau, à Québec. Quand j'avais à peu près 5 ou 6 ans, mon père, en grandissant, il a toujours fait le karaté. Et naturellement, il veut que ses deux fils commencent avec le karaté. J'ai toujours grandi comme un enfant agité et il a cru que le karaté c'est plus pour la discipline, peut-être que ça allait me calmer, mais ça n'a pas vraiment marché. Il a vu que j'avais trop d'énergie même pour le karaté, alors il m'a mis dans le basket puisque j'avais des cousins qui sont plus âgés que moi qui jouaient au sous-sol et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. À 5 ans. Ça fait près de, j'ai 27 ans, je viens juste d'avoir 27 ans, ça fait près de 22 ans que je joue, 22 ans, une longue carrière. Alors, ne me dis pas que tu penses à la retraite. Hein. Non, pas encore. Pas encore, ouais. C'est comme ça que ce rêve a vraiment commencé, mais je crois que j'ai commencé à prendre les choses sérieusement avec le basket quand j'avais à peu près 16 ou 17 ans, quand je suis revenu ici en Ontario. Qu'est-ce qui t'a fait décider de le prendre sérieusement? Tu étais bon? Je crois que j'ai toujours cru que j'étais bon. Je crois que quand j'ai commencé à recevoir des offres d'université et que j'ai à peu près vers 15 ou 16 ans, mais même à là, j'ai jamais cru que j'allais... Le rêve, c'était jamais de jouer à l'université. Je ne croyais pas que c'était même possible ou j'ai jamais pensé loin comme ça. Alors, quand les offres ont commencé à venir et que j'ai vu que ça devenait sérieux et que les coachs venaient chez moi et visitaient ma mère et mon père et tout ça, c'est comme ça que le rêve, c'est devenu officiellement mon rêve. D'accord. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de ton parcours, un petit peu en désordre. Ouais. Remets-nous de l'ordre dans tout ça. Donc, tu as commencé déjà au lycée, ouais. Puis à l'université. Ouais. Et après, que s'est-il passé et où en es-tu aujourd'hui? OK. Après l'université de Ryerson, où j'ai passé 5 ans, j'ai commencé d'abord ici à Raptors 905, qui est à Mississauga, qui est l'équipe B des Raptors. Et ça, c'était de septembre à novembre. Et puis, en décembre, on m'a appelé au Rwanda pour aider mon pays à qualifier pour la nouvelle ligue de la NBA en Afrique. Je suis allé Et comment s'est passée cette expérience-là? Oh, cette expérience était magnifique, puisque la dernière fois que j'étais au Rwanda, c'était en 2007. Je suis retourné en 2019, ça faisait 12 ans et c'était pas la même chose du tout. Il y avait même pas un terrain là en 2007 quand j'étais là-bas. Quand je suis retourné, ils avaient un stadium, un des plus belles que j'ai vu de ma vie. Et ça fait, comme je te dis, ça fait plus de 20 ans que je joue. Mm-hmm. Et plus de 12 000 fans qui étaient en train de crier. Alors, tu t'imagines comment c'était une surprise. L'enfant prodige au pays. Ouais. Alors, je suis allé là-bas pour un mois pour les qualifications. On a gagné. J'ai eu le MVP du tournoi, je suis revenu, COVID a commencé. Je devais retourner en mars, 2 mois plus tard pour les Jeux, mais COVID est arrivé pendant une année. L'année qui suit, je suis allé en Hollande, à Leeuwarden plus précisément. Et, pendant 6 à 7 mois, je me suis blessé le genou, je suis revenu à la maison. Mais tout va bien. J'ai continué à jouer pour les Hamilton Honey Badgers, qui est pratiquement ici à la maison, pour l'été. Et maintenant, je vais en Espagne dans à peu près une semaine pour 8 mois. Pour 8 mois. Pour d'accord. 8 mois, c'est là où je suis. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui te regardent, ouais. Qui rêvent de basketball. Est-ce que tout le monde peut arriver à ce niveau? Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui, surtout dans nos communautés noires, qui ne rêvent que de basket ou qui ne rêvent que de musique ou qui ne rêvent que d'être dans les étoiles? Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Il y a beaucoup de jeunes qui me demandent si c'est tout le monde qui peut le faire. Et ils entendent toujours deux choses différentes. C'est soit tout le monde peut le faire, tu dois juste travailler fort, ou c'est travaille fort puisque ce n'est pas tout le monde qui arrive. So, il y a des fois qu'ils entendent ça, ils ne comprennent pas ou ils ne savent pas quel côté croire. Est-ce que je vais travailler fort et puis peut-être que je ne vais toujours pas y arriver, ou si je travaille fort, c'est sûr que j'y arrive.
So, quand je parle aux jeunes, je m'assure de dire que le basket, c'est pas d'arriver qui est le rêve, c'est la journée, le parcours. Le parcours. Mm-hmm. Et je sais que c'est vraiment les choses que les jeunes et comme peut-être qu'il dit ça puisqu'il est déjà là, mais je t'assure, je suis pas encore là. C'est pas la destination que je. Si c'était la destination, j'aurais annoncé à tout le monde que c'est ma dernière année. Mais c'est vraiment le parcours. Alors je vais dire que avec la chose que je dirais à n'importe quel jeune, c'est la discipline. Je crois que si tu n'as pas de discipline, c'est difficile de faire des sacrifices, de ne pas aller faire des fêtes avec tes amis, de ne pas être en vacances avec de Noël ou de Nouvel An avec ta famille. Tu dois être là-bas, tu te réveilles à 5 heures du matin. Il y a beaucoup de sacrifices qui viennent avec et ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire mentalement et physiquement. Alors, si tu es capable de t'entraîner d'un jeune âge, tout le monde peut le faire. D'accord. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure d'une blessure et ouais. Tu as également parlé de ce qui est important, c'est le parcours. Ouais. Alors, God forbid, ouais. Tu t'es blessé, ouais. Ça n'a pas eu de graves conséquences, tu continues à jouer. Mais qu'est-ce que tu t'es dit lorsque tu as eu cette blessure ? Là, ça aurait pu être prendre une autre trajectoire. Donc, que t'es-tu dit à ce moment-là ? Je me rappelle que c'était la première blessure que j'ai eue qui était grave, comme ça au genou. Ça m'a pris près de 9 semaines à guérir, c'était sur mon os. Mais je me rappelle, la première chose que j'avais peur, et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui me voyaient sur les médias sociaux et ils disaient « Oh, tu es toujours en train de sourire et tout ça, mais c'est pas comme si je vais commencer à montrer que je pleure ou tout ça. » Mais je crois que ça vient avec la discipline mentale, comme je disais, puisque la majorité des erreurs que les gens font ou les jeunes font, c'est ils croient que tout est physique, si je peux sauter ou courir vite. J'ai pas besoin d'aller à l'école ou j'ai pas besoin de rien faire, mais la discipline mentale que je me suis entraîné à faire pendant le chemin d'arriver en tant que professionnel, c'était de me réveiller à 5 heures du matin et au lieu d'aller et rester debout jusqu'à 2 heures du matin, d'aller dormir à 9 heures du soir, quand tu as 17 ans, c'est vraiment difficile. Alors, c'est juste des petites choses comme ça qui m'ont préparé mentalement à une chose comme ça, de rester discipliné, de ne pas mettre ma tête en bas et de savoir que 9 semaines, c'est pas long. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes, il y a des gens qui se blessent et c'est la fin. Et j'ai une deuxième chance, alors c'est tout ce que je regardais. D'accord. Ouais. Alors, tu n'as pas fait que du basket, tu as fait des études, ouais. Child and Youth Care. Yeah. Donc, pourquoi? Pourquoi cette discipline? Pourquoi Je suis en 12e année, je n'étais pas sûr ce que je voulais faire, mais une chose que j'ai toujours été doué, c'est de communication avec des jeunes. Même quand j'étais jeune moi-même, j'ai toujours voulu aider, soit avec mon expérience, ou soit, même si je ne savais pas ce que tu avais besoin, je savais qu'au futur, j'ai envie d'aider la prochaine génération. Et Child Youth Care était un programme qu'ils avaient à Ryerson, que je croyais que j'allais vraiment aimer, j'ai vraiment aimé. J'ai une mineure aussi en psychologie. So, c'était facile pour moi. Ce n'était pas vraiment difficile de choisir ce programme. D'accord. Ouais. Alors, ça veut dire qu'une fois que ta carrière en basket terminée, c'est le... Oui, il y a beaucoup de choix. Comme il y a des gens qui disent, c'est sûr que tu vas être un coach, puisque je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités que j'ai avec en tant que... Si je deviens coach, puisque... Tu as oui, c'est juste une équipe de sport, mais les gens ne réalisent pas que les équipes de sport ont une responsabilité d'aller voir leurs fans et d'aider la communauté, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui les regardent et ils vont écouter tout ce qu'ils ont à dire. Alors, c'est pour ça que quand ils disent qu'une équipe, ce n'est pas juste une équipe de dribbler le ballon et de rentrer à la maison. Quand ils jouent, il y a beaucoup de fans. Alors, ils comprennent que... Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire à la communauté, d'aider à la communauté avec leur talent. Alors, je crois que peut-être coacher la prochaine génération peut être une option. Parlons avant d'arriver donc à la prochaine génération, il y a cette génération. J'aimerais ouais. savoir comment tu regardes ta génération. Ouais. Comment est-ce que tu la considères? Qu'est-ce que tu penses des jeunes aujourd'hui? Ouais. c'est une question qui est un peu difficile puisque... Pour moi, ma génération est normale puisque c'est ma génération. Mais il y a beaucoup de... Tu peux comparer à n'importe quelle génération. Je peux comparer à la génération de ma mère, la génération de mon petit frère. Tu vas toujours trouver des choses qui sont la même chose. Il y a plusieurs choses qu'on est vraiment différents. Je crois que
comme je disais avant, il y a beaucoup de frictions qui arrivent avec la génération qui est plus âgée que toi normalement. Comme la génération de mon petit frère, on a des choses, on a des frictions entre nous. Je crois que ça va toujours être quelque chose. Je crois que c'est pas grave d'avoir des frictions, mais un dialogue est plus important. D'accord. Puisque je crois qu'un monde qui n'a pas de frictions, on ne va pas évoluer. Je crois que tu n'évolues pas. Alors, tu es de cette jeunesse-là qui affronte ou qui a face à elle des défis immenses. Ouais. On est en 2021. Ouais. Dans ce siècle-ci, on pensait que des questions telles que la discrimination, le racisme, ouais, etc., seraient ouais des choses qui seraient derrière nous, qu'on serait dans un monde, ouais, dans un monde rose, justement, dans un monde agréable, de dialogue, de communication. Il y a la pandémie qui est là. Comment est-ce que tu vois le présent et l'avenir? Je crois que le présent, maintenant, c'est un temps important. Je suis en train de parler à certains de mes amis. Il y a beaucoup de pression. Il y a des gens qui commencent suicidaire à cause, comme tu dis, la pandémie. Il y a beaucoup de choses qui arrivent maintenant qu'on a jamais vu il y a des années. Et je crois que quand tu es jeune, ton cerveau est plus fragile, tes émotions sont plus fragiles. Je crois que même pour les adultes, c'est un temps difficile maintenant, mais je crois que si, en tant qu'humain, n'importe quelle génération, que si tu as 40, 50, 20 ou 10 ans, je crois que si ce temps m'a montré quelque chose, c'est que on est tous ici sur Terre, que tu sois noir, blanc, n'importe quoi, ou que tu sois âgé ou jeune. Je crois qu'en tant qu'il y a la communication et qu'on essaye de se comprendre, c'est ça qui compte. Je crois que les gens ne comprennent pas. Ils croient qu'ils doivent juste croire à ce que mon frère croit ou ma soeur croit ou mon voisin croit. Je crois que c'est juste respecter et essayer de comprendre. Je crois que c'est ça un problème qu'on a dans le monde maintenant. Et je crois qu'avec les choses comme COVID, ça stresse les gens et ça monte les tensions dans n'importe quelle chambre. Alors, je crois qu'on améliore. Je crois qu'on est loin d'arriver là où on veut être, à une vie qui est rose. Mais je crois qu'on va y arriver. Je crois que c'est vraiment la génération comme la mienne qu'on doit commencer à informer les gens. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez d'informations. Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que toi, tu fais concrètement pour que cette génération-ci ait un impact, qu'elle change les choses? Comment est-ce que tu... Je crois que la seule chose qu'on peut faire, à part politiquement, que je ne suis pas dedans du tout, c'est que je crois qu'utiliser notre voix, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent. Je crois que je peux décider d'ignorer ça et juste vivre ma vie, mais si je décide de faire ça, je ne peux pas me plaindre après qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas allés au bon chemin, alors que une voix comme ça peut changer 40 personnes. Et c'est ça que je dis aux gens, même aux jeunes qui ont 17 ans et qui vont commencer à être des adultes. Ils me demandent, OK, j'ai 18 ans, je vais à l'université, et c'est bientôt que je vais être, mon rêve va arriver. Et j'ai dit, OK, ton rêve va arriver, mais la chose la plus importante, c'est sûr et certain, c'est d'utiliser ta voix. Il ne faut pas commencer à jouer au basket et juste penser à toi, parce que c'est de là où tu vas arriver et tu vas réaliser que le monde n'est pas aussi rose que tu le crois. Je crois que quand on est jeune, nos parents font une job qui est vraiment, vraiment bien de nous cacher de le racisme et des choses comme ça. Alors que quand tu grandis et que tu ne connais rien et que tu n'es pas prêt, je crois que ça te choque un peu et tout d'un coup, tu ne veux plus jouer au basket, puisque peut-être que tu as essayé d'aller juste jouer au basket et quelqu'un, à cause de la couleur de ta peau, il a dit que tu ne peux pas jouer, mais tu n'as jamais eu cette expérience, alors tu ne comprends pas. Et au lieu de demander, tu as juste peur et tu arrêtes. Est-ce que ce sont des choses que tu as connues personnellement dans ton parcours? Oui, c'est sûr. Pas moi personnellement, mais il y a beaucoup d'histoires qu'il y a des amis qui viennent, qui ont la peau comme moi, la peau noire, et tout ce qu'ils voulaient faire, c'est aller jouer pour une école ou un endroit où la majorité des personnes sont blancs et ils n'ont jamais eu une expérience de racisme. Mais il y a des fois qu'il y a des coachs qui disent « Ouais, on ne peut pas jouer. Tu ne peux pas jouer puisque ils vont inventer n'importe quoi. » Et clairement, tu peux voir qu'il était le meilleur joueur, mais à cause de la couleur de sa peau, il n'a pas une expérience de juste jouer un sport qu'il aime. Il y a, ça n'a rien à faire avec la politique. C'est juste vraiment qu'il aime jouer. Et c'est dommage de voir des choses comme ça, puisqu'il y a des adultes
qui gâche les rêves des jeunes juste à un moment comme ça. Et ça prend juste 5 secondes. Et je crois que si on les laisse gagner, au lieu que nous, on parle et on les inspire et qu'on laisse les adultes comme eux dédommager nos jeunes, c'est ça qui va nous faire... Le monde va vraiment être fini. Alors, tu as passé combien de temps au Rwanda avec l'équipe nationale? À peu près un mois et demi. Alors, comment était ton rapport avec les jeunes là-bas? Est-ce que la mentalité est différente, ouais. La façon de jouer est différente? Ah ouais. Est-ce qu'ils ont autant de chance qu'ici? Comment est-ce que tu regardes les jeunes de ton notre pays d'origine? Ouais, j'ai remarqué que, comme tu dis, la NBA, quand ils sont arrivés là-bas et qu'ils ont annoncé la nouvelle ligue qui va être là, j'ai vu la différence entre les Africains qui jouaient là-bas et ici, quand j'ai joué, il y a beaucoup de talent. Le talent est immense. Les gens ne réalisent pas le talent qu'il y a là-bas. Les gens sont grands, ils sont athlétiques et tout ça, mais tu peux voir quand ils jouent la passion qu'ils ont. Tu peux directement, quand tu joues, tu peux savoir qu'ils comprennent que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Il y a une différence entre quelqu'un qui a toujours vu le basket et que tu peux juste sortir et il y a un terrain là, pour même un jeune ici au Canada. Moi, j'ai eu la chance, j'ai grandi, je pouvais juste sortir dehors et il y a 5 terrains autour de moi. Au Rwanda ou au Cameroun ou au Sénégal, il y avait des moments, là, même il y a 5 ans passés, il n'y avait pas de terrain du tout. Tu devais juste regarder dehors et jouer avec des bouteilles, il n'y avait pas de panier. Là, tout d'un coup, il y a tout un terrain, tout ce qu'ils voient à la télé, ils le voient devant eux. Alors, tu peux le sentir, la passion qu'ils jouent. Ils savent que c'est une opportunité, qu'ils ne savent pas si ça va être là, puisqu'ils n'ont jamais vu, comme j'ai dit. Alors, mais c'est bien à voir, puisqu'ils font ça avec un sourire. Il n'y a rien. Ici, normalement, quand il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, la compétition est tellement dure que les gens commencent à être un peu plus... dans le côté d'essayer de blesser les gens, puisqu'ils disent c'est moi qui dois rentrer, pas toi. Mais là-bas, c'est l'inverse. Tout le monde veut tout partager. Il dit jouons ensemble, on est content que c'est ici, on ne veut rien gâcher. Et c'est vraiment comme ça. Et j'étais content que j'ai pu faire partir de quelque chose comme ça. Alors, et aussi les fans, ils ne connaissent rien du tout, pas tout le monde. Mm-hmm. Ils ne sont pas, comme j'ai dit, le basket est vraiment nouveau. Et 12 000 personnes qui viennent comme ça voir quelque chose et supporter et crier pour quelque chose qu'ils ne connaissaient pas il y a même un an, c'est fantastique. Et comment se porte cette équipe aujourd'hui? Ils se portent vraiment bien. Maintenant, puisqu'on a gagné la fois passée, automatiquement, on est qualifié pour la deuxième saison de la NBA Africa. So, tu y seras? C'est ça le plan. Là, je vais en Espagne et s'il commence, quand j'ai fini en Espagne, c'est sûr que je vais y aller. D'accord. Ouais, alors, comment tu maintiens le contact? Je suppose que les réseaux sociaux, bien entendu, on va en parler. Ouais, hein, parce ouais, que je sais, sûr. JV, c'est un toqué de TikTok. Donc, ouais, on va parler des jeunes et des réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bien entendu, tu peux maintenir plus facilement par WhatsApp, etc., ouais. Facebook. Je suis une vieille, je dis ouais, Facebook, ouais. Instagram. Ouais. Le contact avec les jeunes, ouais, ouais. Tes pères. Ouais, ouais. Alors, comment est-ce que tu maintiens ce contact-là? Les médias, c'est ça, comme tu dis, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Il y en a tellement que c'est presque impossible. La seule chose que, pour rendre les choses personnelles, maintenant, c'est le numéro de téléphone. Le reste, tu peux trouver n'importe où. Il n'y a aucun moyen que tu peux dire, je n'ai pas pu envoyer un message à Jean-Vic. Puisqu'il y a plusieurs endroits que tu peux m'envoyer un message, mm-hmm. Ouais. Et comment penses-tu de l'utilisation de ces médias sociaux, ouais. Que les jeunes en font? Est-ce que toi, tu l'utilises, mais tu t'amuses dessus, ouais, ouais, ouais. Hein, tu t'amuses beaucoup dessus. Ouais. Quel est l'intérêt? Moi j'en parlais surtout avec même ma mère et mon père et certains de mes professeurs. Ils sont comme, mais pourquoi les jeunes? TikTok, ça, et Instagram. C'est... Mais moi, j'ai, comme je dis, la dialogue et essayer de comprendre la prochaine génération, c'est quelque chose que je fais naturellement. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent oh, « Comment tu connais ça? Comment tu as fait ci? Comment tu as fait ça? » Puisque pour eux, moi, je suis la génération d'avant. T'es un vieux. Ouais, ouais, je suis un vieux. Et moi, je ne suis pas habitué à ça, mais j'ai toujours... Que tu sois n'importe quel... tu viens du Mexique, du Canada, des États-Unis, du Rwanda, je vais essayer de te comprendre. Et c'est la même chose avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais le monde, maintenant, c'est un monde de social media. Mm-hmm. Alors, comme on dit,
quote unquote social media world, si tu essaies pas de les comprendre, ça va être difficile d'évoluer avec eux. Et tu vois beaucoup de gens qui viennent et ils disent les jeunes ne veulent pas comprendre, ils travaillent pas fort, mais ils comprennent pas les opportunités qui est venue avec les social media. Comme il y a des gens qui ont une carrière à cause de YouTube, qui ont une carrière à cause de TikTok, il y a des gens qui ont une carrière à cause de la communication ou à quelque chose qu'ils ont vu à cause quelque chose qu'ils ont vu à Instagram, qui ont peut-être que quelqu'un il y a 10 ans il doit aller lire ou aller chercher. Mais je crois que c'est vrai, la génération maintenant est un peu plus fainéante que la génération, mais puisque avant ils devaient travailler aussi fort pour avoir une opportunité, mais je crois que la génération avant doit réaliser aussi que maintenant il y a beaucoup plus d'opportunités. Maintenant il n'y a pas juste un chemin pour avoir du succès. Je crois qu'il y a des fois que c'est vrai, en tant que parent tu vas dire non, va à l'école et va à l'université, sinon tu vas pas avoir de succès. Mais je crois plus que c'est la vérité maintenant. Et je crois que au lieu de dire ça comme ça, de dire va à l'université ou va faire je sais pas quoi parce que je suis ta mère ou ton père, ça devient dangereux, puisque maintenant l'enfant va dans un chemin de, il fait quelque chose qu'il n'aime pas, et à cause de ça, normalement ça amène à des chemins que il va commencer à vivre une vie que c'est pas vraiment lui. Alors d'accord, dialogue, ça va aider. Ouais. C'est quoi pour toi le succès? Mm-hmm. Comment tu le définis? Et quel est l'impact que tu veux laisser au monde? Moi, je veux dire que moi, je crois que j'ai dit ça à mon frère. Sois content avant de chercher le succès, puisqu'il y a des gens qui croient que chercher le succès va te rendre content ou contente. Mais je sais que je suis encore jeune, mais j'ai remarqué avec ce que j'ai vu et moi-même avec mes propres expériences. Cherche à ce qui te rend content en premier. Puisque si tu te réveilles, tu es content, c'est facile à faire des choses. C'est facile à faire n'importe quoi. Mais si tu n'es pas content, même les choses que tu veux faire, comme le basket, si je ne suis pas content dans la vie et que je joue au basket, même me réveiller, juste parce que j'aime le basket et que je me suis réveillé, que je ne suis pas content, peut-être que je joue mal. Et maintenant, à cause que j'ai joué mal, j'ai plus de travail. Et là, je suis à la maison. Là, je suis fâché pour tout le reste de ma vie. Mais je crois que être content en premier, et après cherche à avoir du succès. C'est ça, maman. Ben, ce succès, je te le souhaite. Merci. Bon voyage en Espagne, c'est ça, pour huit mois. Reviens-nous entier, ouais. Sans genoux cassés. J'espère. Et puis, sois content, merci. Et du plaisir dans ce que tu fais, puisque c'est l'un de tes credos. Oui. Sois heureux. Et puis, comme tu dis également, privilégier le dialogue, c'est l'une des choses qu'il faut faire pour qu'on puisse vivre paisiblement entre nous. Voilà, notre émission prend fin, mais nous avons comme d'habitude une méditation finale avant de nous quitter. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. La sagesse populaire dit: la valeur de la jeunesse, c'est un vieux qui te la donnera. La valeur de la richesse, c'est un pauvre qui te la donnera. Et la valeur de la vie, c'est un mort qui te la donnera. Nous qui croyons en toi comme source divine, nous disons que la valeur de toute chose, c'est toi qui la donnes. Merci mon Dieu. C'est ici que nous nous disons au revoir. Restez dans l'esprit Ubuntu. Je suis parce que tu es. Nous sommes ici parce que vous êtes là. Merci et à la semaine prochaine.